Et alors pour vous, combat ici. Donc on a vu un petit peu sur le planning. Il y a c'est jeudi qui non C'est mercredi. Mercredi, Le je crois. rugby, c'est ça? Voilà, c'est Ouais. ça. C'est une Oui, initiation au oui, rugby qui est organisée. oui. Oui, C'est alors en fait, on a souhaité organiser une initiation au rugby parce que ben, on souhaitait déconstruire les stéréotypes. Et effectivement, quand on pense rugby, on pense plutôt Sébastien Chabal, des choses comme Ouais. ça. Donc, c'est pas franchement féminin. Et ben, pour avoir été pendant quelques années rugbywoman, Ouais. je souhaitais vraiment ben, les mettre en relation avec le Rogue. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de l'équipe féminine du Rogue, qui est une super équipe. Et les équipes féminines de rugby se développent énormément dans toutes les villes, en tout cas du département. Donc ça nous semblait important de montrer à ces jeunes femmes qu'on accompagne que ben, il n'y a pas de sport masculin, il n'y a pas de sport féminin, et que elles peuvent tout à fait accéder au rugby sans problème, d'autant plus que, enfin, je parle à titre personnel, pour moi ça a été une révélation ce sport. Bon, je peux plus le pratiquer, mais ça a quand même marqué un tournant de ma vie. Voilà. Ouais, si ça, enfin, ça continue justement à montrer, comme Anissa tout à l'heure, tu nous disais, des jeunes filles que c'est soit c'est possible de se lancer dans un sport que potentiellement les intéresse ou qui leur plaise, Tout à fait. et pas avoir peur finalement d'être jugé, non, parce que ce sont des femmes, donc c'est une Oui, et puis façon aussi de. c'est pour montrer que voilà, les jeunes filles n'ont pas juste le choix entre la danse et j'en sais rien, l'athlétisme. Voilà, toute femme, toute jeune femme peut faire ce qu'elle veut, que ce soit dans sa profession, que ce soit dans son sport, dans son attitude, dans sa façon de s'habiller. Et puis, je pense que c'est tout à fait d'actualité parce que ben, on voit qu'il y a quand même des gros reculs de la société. On remet en cause le droit à l'avortement. Il y a pas mal de choses quand même qui sont, je trouve, assez choquantes dans notre siècle, avec tous les combats que des femmes ont fait pour nous. Voilà, c'est important aujourd'hui d'affirmer ça et d'affirmer que non, on est une femme, mais on peut faire absolument ce qu'on veut de sa vie, de son corps, et on peut pratiquer le sport que l'on souhaite, sans être forcément une grosse armoire à glace. Ouais, en plus ça éveille la confiance en soi, hein. Donc Oui, c'est très complètement. important. Oui, et puis il y a un Ouais. esprit d'équipe, déjà ça muscle aussi, hein, faut le dire. Et ça forge la résistance, ça forge le respect, et puis oui, il y a un réel esprit d'équipe. C'est vrai que sur la thématique des femmes qui ont un petit peu fait, enfin même pas un petit peu, qui ont fait évoluer justement et qui ont participé à essayer de changer les mentalités. Malgré tout, c'est toujours un combat, même aujourd'hui, hein, en 2023, que les femmes, elles ont du mal à toujours bien combattre ou même gagner contre certains. On parlait des entreprises tout à l'heure, ou même de quoi que ce soit dans le monde professionnel ou social. C'est quand même pas encore gagné dans tous les domaines ni pour tout le monde. Donc c'est superbe de mettre en place des actions comme ça qui permettent de placer les jeunes filles ou en confiance. Oui. Voilà. Oui, et puis je rejoins mon acolyte de droite. Je suis aussi jeune maman d'une petite fille, et donc ça me tient aussi à cœur de lui montrer que elle a exactement les mêmes droits qu'un garçon, et qu'elle a peut-être même, j'en sais rien, hier on a rencontré l'entraîneur de foot qui disait que c'était peut-être plus agréable d'entraîner les femmes parce qu'elles étaient plus concentrées. Bon, ben voilà. Voilà, donc on a aussi des qualités. Voilà. Tu veux poser une question? Pas de questions particulières. Vous allez aussi partir au café rencontre vendredi, c'est ça? Oui, oh ben on va participer au café rencontre, donc on va emmener les jeunes filles qui vous ont préparé des questions que je trouve géniales, donc vous nous direz ce que vous en pensez. Et aussi, bah, après l'initiation au rugby, on va aller voir l'exposition au Café des Roses. Hein. Voilà, donc on va avoir une après-midi assez chargée, mais ça va le faire. Oh, ça va être bien. Et oui, le café rencontre, c'était pour que ces jeunes femmes puissent bah, rencontrer des femmes qui ont fait carrière dans des milieux dits plutôt masculins, ou des femmes qui ont réussi à coupler vie de famille, donc avoir des enfants et en même temps avoir un poste à responsabilité. Voilà, c'était pour qu'elles leur permettre de s'enrichir avec cette rencontre et d'avoir peut-être des conseils, des pistes, et que ça leur ouvre un peu l'esprit aussi. Il y aura qui du coup comme invité? Parce qu'il y aura des Ah, ça, c'est invités surprise. assez confidentiels. Alors, il y aura qui comme invité? Bon, déjà, il y aura notre directrice.
Voilà, et on trouvait ça. Vous verrez, mais oui, on trouvait ça intéressant qu'elle soit là pour parler de son parcours. Vous serez là. Alors, je me réfère à ma collègue parce que vraiment, j'ai. Oui. Une jeune qui vient de la mission locale aussi et qui a eu un parcours assez atypique parce qu'elle a évolué, si je ne me trompe pas, dans le milieu du BTP et elle a maintenant un poste à responsabilité dans le bâtiment, donc atypique. Elle gère une équipe de garçons. Je m'aide de mon, c'est mon script. Et on a aussi des marraines, je crois, qui vont venir au Café Rencontre. Alors nous, à la mission locale, on a un système de parrainage, marrainage. Donc, ce sont des personnes qui ont un parcours assez pas atypique, mais exemplaire, qui sont en règle générale à la retraite et qui bénévolement accompagnent des jeunes de la mission locale. Ça peut être sur leur recherche d'emploi, les préparer à l'entretien ou des choses comme ça. Et là, on va avoir normalement des marraines qui seront là également pour échanger avec ces jeunes femmes. Et ça, du coup, c'est pour conclure la semaine. C'est pour conclure la semaine, et en plus de ça, donc ma collègue Alexandra vous l'a dit, ça se passera au Tablier du Boucher, donc chez Alain Ponce à Grasse, qui souhaite aussi intervenir parce que lui, il forme souvent des jeunes femmes au métier de boucher, ce qui est quand même, ce qui est assez rare. C'est Donc vrai. voilà, on souhaitait qu'il intervienne également. Et oui, c'était pour conclure. Mais non, moi non plus, j'en ai jamais vu, donc j'ai hâte de rencontrer une bouchère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Oui, c'est aussi tout à l'heure, c'était pour savoir si d'ailleurs vous avez rencontré des difficultés dans votre métier en tant qu'artiste. Alors, je vous dirais que non, pas vraiment. Les garçons que je rencontre, parce qu'il y en a beaucoup, sont très sympas. J'ai aussi cette chance-là. Mais j'ai eu un parcours professionnel assez éclectique. Et j'ai notamment été gendarme il y a une quinzaine d'années. Donc autant vous dire que les garçons, ça me connaît. Et j'ai deux frères et ça me dérange pas du tout de bosser avec des mecs. Ah ouais. Donc voilà, mais j'ai quand même un peu de poigne, un peu de caractère. Ce qui fait que voilà, il faut s'asseoir sur sa confiance et être sûr de soi. Je pense que ça, c'est très important dans la vie. Surtout qu'on, peu importe qu'on soit une femme ou un homme, être passionné et persévérant. Et savoir s'imposer. C'est ça. Il faut aimer ce qu'on fait, je pense, pour pouvoir s'imposer, ça vient tout seul. Vous avez des projets en cours là pour en tant qu'artiste ou pas particulièrement, ça va? J'ai plein de projets en cours, ouais, beaucoup de projets en j'imagine cours. bien. Comme je vous ai dit, j'ai monté un projet qui s'appelle en fait les Street Oui. Art Class, donc que j'ai décliné sous la version féministe Street Art Class, mais je fais aussi des Street Art Class sur d'autres thèmes. Donc là, on travaille avec trois artistes qui s'appellent Esquisse et Free. C'est deux garçons d'ailleurs qui m'accompagnent dans mon projet et qui sont graffeurs comme moi et qui ont envie de partager en fait leur passion. Donc c'est ça le but. On a une petite roulotte qui est un atelier itinérant de graff pour tous. Et donc régulièrement on fait des événements, que ça soit privé, public, associatif ou chez des particuliers directement. On donne des cours d'initiation au graff de façon ludique avec différents artistes justement. Et je lance un appel aux artistes s'il y en a qui se sentent de partager leur art. Voilà, on a envie de partager ça avec plein de gens, et notamment des femmes, donc je recrute des femmes. Bah voilà, l'info est passée. On sait Mais jamais. merci beaucoup.